Bonjour, merci d'être avec nous. Chers internautes, nous sommes heureux de vous savoir connectés et de savoir que vous allez prendre le temps, à votre rythme, de suivre cette étude. Après avoir posé beaucoup de lignes, nous arrivons dans notre histoire. Nous arrivons dans des applications. Nous comprenons que c'est particulier nous vivons une histoire particulière nous ne serons pas tous d'accord avec les conclusions que chacun puisse prendre le temps de les étudier retenez ce qui est bon et rejeter ce qui est faux nous voulons vous présenter cette étude mais juste avant de commencer prenons la position de la prière seigneur nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais qui dit qu'une chose arrive sans que tu ne l'aies voulu? Nous savons que tu écris droit sous des lignes courbes telles que nous. Tu ne cesses de nous parler. Nous vivons une histoire particulière, un jour particulier, une année particulière. Nous sommes acteurs de notre existence. Nous voyons les choses. Nous ne les subissons pas. Nous les vivons. Nous faisons les choix. Puisque nous être conscients de chaque choix que nous faisons aujourd'hui, alors que nous allons nous tourner sur l'histoire des papes, donne-nous une compréhension claire de ce que tu veux pour nous. T'avons nous prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'histoire des papes. Si nous regardons la liste et si vous allez avec moi dans Wikipédia, vous allez voir qu'il y en a 266. Le 265 est enterré aujourd'hui et nous sommes au nombre, ils sont au nombre de 266. Sans compter les papes X que vous trouverez dans la liste ou les antipapes. Est-ce qu'il y aura un 46 Est-ce qu'il y aura un 47 Difficile de le savoir. Aussi, je veux que vous tourniez vos pages, les pages de la Bible avec moi. Dans Apocalypse, chapitre 16, nous sommes au verset 13, la diapo 3. Et je vis trois esprits immondes, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Car ce sont les esprits de diable, faisant des miracles, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en 2023, nous nous attendons à voir Christ revenir un jour. Nous ne savons pas l'année, ni le jour, ni le mois, mais Christ n'est pas encore revenu. Nous comprenons que cette histoire, l'histoire d'Apocalypse, une bonne partie nous concerne. Si nous allons au chapitre 19, Apocalypse 19, verset 19, il est dit, et je vis la bête. Et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce sont des textes que nous connaissons, Apocalypse 16 et Apocalypse 19. Et plus particulièrement, le livre d'Apocalypse, notamment le chapitre 13, c'est un texte que nous, que nous connaissons très bien. Allons ensemble dans Apocalypse 13, les versets 1, 2 et 5. Vous allez voir où nous voulons aller pour notre histoire. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et sur cette corne, dix diamnèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. Le verset 5. Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous ne sommes pas sur l'étude des quarante 42 mois. Nous ne sommes pas sur l'étude de la bête qui monte de la mer. Nous ne sommes pas sur l'étude de la bête qui monte de la terre. Nous sommes sur l'étude de Palmonie et qu'est-ce que cela pourrait nous dire, tout ceci, dans notre histoire. Aussi, je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires en détail. D'accord Je vous les survole pour essayer de vous faire comprendre où nous allons partir, pour voir quelle histoire qui nous concerne, puisqu'il y a 266 papes. Pourquoi il y aurait plus un plus que l'autre qui pourrait nous concerner. Nous sommes au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ici, nous avons beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc nous avons la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, il nous est parlé du dragon, Il nous est parlé du faux prophète. Il nous est parlé des cornes, des rois. Essayons de comprendre qui sont les acteurs. Si nous comparons Apocalypse 19, 19 et 20 avec Apocalypse 13, 11 et 14, regardons s'il y a des points communs. Dans Apocalypse 19 verset 19, il nous est dit je vis la bête, il nous dit pas si c'est la bête qui monte de la mer ou la bête qui monte de la terre, il nous dit je vis la bête. Donc je vais noter également bête. Il nous dit et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc, il y a la bête et il y a les rois. Le verset 20 nous dit « Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. » Donc, la bête et le faux prophète, c'est deux choses différentes. Donc, il y a la bête, elle fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant la bête des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avait pris la marque de la bête et adoré son image. Donc il y a la bête et il y a le faux prophète. Et le faux prophète, c'est celui qui a fait des prodiges. Et le faux prophète est celui qui séduit. Donc le faux prophète, le faux prophète, il séduit. Et il fait des prodiges. D'accord? Si nous allons dans Apocalypse chapitre 13 verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait. Donc la bête qui monte de la terre, séduit. Et elle séduisait les habitants de la terre. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc, elle fait des prodiges. Donc, on peut comprendre que tout ce monde-là, c'est la même chose. OK. Donc, la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète, c'est celui qui séduit, c'est celui qui fait des prodiges. Mais cette bête qui monte de la terre, au verset 20, il nous est dit Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des, des prodiges. Donc le faux prophète est en présence de, de cette bête-là. Le faux prophète est en présence de la bête. D'accord Et maintenant, verset 14, Apocalypse 13, 14 nous dit, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et nous savons que c'est la bête qui monte de la mer qui a reçu, Apocalypse 13 nous le dit. Donc nous comprenons que tout ce monde-là, c'est la même chose. Donc nous avons la bête qui monte de la mer, mais c'est la bête d'Apocalypse 19, et nous avons la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète, c'est celui qui séduit. C'est celui qui fait les prodiges. Qu'est-ce que Lenouette nous dit Elle nous dit que la prophétie de l'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec deux cornes semblables à celles de agneau, donc la bête qui monte de la mer, de la terre, excusez-moi, de la terre, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, la bête qui monte de la mer. Et nous dit Qu'ils adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté. Donc la première bête, la bête qui monte de la mer. Helen White va nous dire que c'est la papauté. Symbolisée ici par la bête. Semblable à un léopard, cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. On va s'arrêter juste à cela, on va revenir sur d'autres points. Dans la diapo 9, Hélène White continue en nous disant La bête à deux cornes fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En voici la proclamation du troisième ange. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. La bête mentionnée ici dans ce message, et dont le culte est imposé par la bête à deux cornes, c'est la première bête semblable à un léopard, la papauté. Donc, elle reconfirme encore, la bête qui monte de la mer, c'est la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses, ses dogmes. Donc, on a le protestantisme. Donc, on nous dit ici que l'image de la bête, c'est le protestantisme. Plus, c'est le protestantisme plus quoi Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Plus civil. On va mettre ça comme ça dans un coin. Si on revient à la diapo 8, dans Événement des derniers jours, Hélène Waite nous dit symboliser, donc la papauté symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Parce qu'elle nous disait que la prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec deux cornes, semblable à celle d'un agneau, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté. Elle nous dit cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis. Elles poseront l'observance du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Donc, on doit voir, il y, y a des acteurs là. Hein? Donc, on va voir quelque chose avec les USA, les États-Unis, et papoter. On va mettre ici Rome. Donc, quand on va arriver dans notre histoire. On va devoir regarder les États-Unis, mais on va devoir regarder Rome aussi, d'accord, pour notre histoire. Allons dans la diapositive. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre, en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuient en Amérique, pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leur aspiration ont été consignée dans la déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits. Inaliénable à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur ses rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la Terre. Alors, nous avons vu Dragon, nous avons vu la Bête, nous avons vu les faux prophètes. De tout temps, dans la Bible, nous pouvons voir des acteurs contre le peuple de Dieu, contre une personne ou contre un groupe. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Élie avec Akab, Jézabel et les faux prophètes. Ou encore l'histoire de Jean-Baptiste avec Hérode. Hérodias et Salomé. L'histoire de Jésus avec Pilate, Caïphe et les faux prophètes. L'histoire de Mardochée avec assuérus Aman, la famille et les amis. Ou bien l'histoire de Paul avec Festus, Agrippa avec les Juifs. Nous comprenons que notre histoire aussi, elle est pareille. Quand nous regardons l'histoire des 144 000, nous avons le dragon, la bête et le faux prophète. Nous avons le dragon, la papauté et les États-Unis. Aussi, quand nous allons dans notre histoire, nous ne pouvons pas nous empêcher, nous ne pouvons faire l'économie de ne pas regarder la papauté dans notre histoire aujourd'hui, ni les États-Unis dans notre histoire. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, nous les voyons clairement. Alors que nous allons lire la tragédie des siècles 627.2, je tiens à vous encourager à remplir le tableau précédent. Euh, J'ai pas tout mis, et ainsi vous pouvez regarder ces différentes histoires et ceci va vous donner beaucoup plus d'informations dans vos recherches. Hélène White nous dit que la prophétie du 13e chapitre d'Apocalypse déclare que l'autorité représentée par la bête au corps de l'agneau obligera la terre et ses habitants à adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Donc le pape, la puissance du pape. La bête à deux cornes doit aussi ordonner aux habitants de la terre de faire une image à la première bête. Elle ira même jusqu'à entraîner tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. On a vu que la bête aux cornes d'agneau symbolise les États-Unis. Donc nous allons devoir regarder l'histoire des États-Unis et l'histoire de la papauté. Et que cette prophétie sera accomplie quand ce pays imposera l'observation du dimanche, réclamée par Rome comme la marque de la suprématie. Mais les États-Unis ne seront pas seuls à rendre cet hommage à la papauté. L'influence de cette dernière est loin d'avoir entièrement disparu des pays où elle exerçait autrefois son autorité. Et la prophétie annonce la restauration de son pouvoir. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La blessure mortelle désigne la chute du pouvoir papal en 1798, mais dit le prophète, sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Paul dit positivement que l'homme de péché subsistera jusqu'au retour du Seigneur. Il persistera dans son œuvre de séduction jusqu'à la fin des temps. Le voyant ajoute en effet, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. C'est une histoire, mes amis, qui nous concerne plus que tout. C'est l'histoire de la papauté, et notamment les États-Unis. Avant d'arriver à l'histoire de la papauté, nous avons voulu poser la structure. Nous avons vu l'histoire de Moïse, nous avons vu l'histoire de Jésus au début de son ministère, nous avons vu l'histoire de Jésus à la fin de son ministère, nous avons vu l'histoire de Jonas, après nous avons vu l'histoire de Joseph. Nous avons vu les campements du peuple d'Israël et les campements de l'Ange. Nous avons vu les rois, mais nous avons vu également les 65 ans. Nous avons vu l'histoire de Josias à Sédécias. Nous avons pris également le temps de poser l'histoire des millérites, devant l'erreur des millérites, devant l'histoire de Battle Creek. Beaucoup d'histoires avant de faire une application pour notre histoire. Pourquoi nous allons sur la papauté et sous les États-Unis C'est parce que dans l Apocalypse 13, il est parlé de l'image de la bête. Quand nous avons vu cette structure, nous avons parlé de l'image de la bête au 45. Or, dans notre histoire, à notre balise 45, c'est une relation que nous devons voir entre les États-Unis, entre la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Donc, il est intéressant pour nous de nous arrêter sur ces différentes histoires. Si nous allons à la 14, il est dit que le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Protestantisme, les États-Unis, le pouvoir romain, la papauté, une union entre les protestants et les catholiques. Alors paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création. Et c'est à ce moment... Que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. Les amis, si nous pouvons juste essayer de voir, nous comprenons que nous sommes dans les événements de la fin. Mais si nous pouvions voir un peu plus en détail où ces balises 45, 46, 47 pourraient nous emmener, nous, dans notre histoire, ne serait-ce que par rapport à la papauté, par rapport aux États-Unis, je crois que nous pourrons avoir beaucoup de lumière. Et l'Énoède continue en disant, nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne changera jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. Je vous invite vraiment à regarder l'étude sur Battle Creek. On va se rendre compte qu'à un moment, l'Église adventiste va être piégée. On va se trouver en difficulté. Parce que Kellogg est un haut responsable. Et comment enlever Kellogg Difficulté. Et là, nous allons nous trouver devant une situation très difficile. Comment enlever le protestantisme Ou bien comment enlever la papauté Impossible. Donc, nous allons effacer tout ceci et nous allons noter des grands traits. Nous avons noté... Papoté. Alors, je vais vous dire, je vais vous, euh, on va résumer et puis noter les points. Donc, on a noté papauté. On a noté Rome. On a noté Pape. On a noté Protestant. On a noté USA, on a noté Amérique. On a noté Catholique aussi, ici. Donc on pourrait aj ajouter aussi Catholique. Beaucoup de mots. Nous connaissons le catholicisme. Mais c'est qui les protestants Essayons de regarder l'histoire du protestantisme. L'histoire du protestantisme commence quand, avec qui Je pense que vous avez entendu parler de Luther. Aussi, je vous invite à aller avec moi sur la diaposèse. Suscité à son heure pour réformer l'Église et éclairer le monde, Martin Luther a joué le rôle le plus considérable dans le grand mouvement réformateur du XVIe siècle. Zélé, ardent, pieux, ne connaissant aucune crainte sinon celle de Dieu, il n'admettait aucune base de foi que les saintes écritures. Enfin, il aperçut dans le lointain la ville aux sept collines. Saisi d'une profonde émotion, il se prosterna en terre en s'écriant « Homme saint, je te salue. Entré dans la cité, il visita les églises, écouta les histoires extraordinaires que racontaient les prêtres et les moines, et se conforma à toutes les cérémonies du culte. Partout, ses yeux rencontraient des scènes qui le remplissaient d'étonnement et d'horreur. L'iniquité s'étalait dans tous les rangs du clergé. Partout, les prélats se permettaient des plaisanteries indécentes, dont l'esprit profane pénétrait jusque dans les saints offices. Où qu'il se tournât, il rencontrait l'impiété, non la sainteté. On ne saurait quoi les péchés et les actions infâmes qui se commettent dans Rome, écrivait-il. Il faut le voir et l'entendre pour le croire. Aussi a-t-on coutume de dire, s'il y a un enfer, Rome est bâti dessus, c'est un abîme d'où sortent tous les péchés. Luther était un moine, un prêtre, un catholique. Il était, faisait partie de Rome, de la papauté. Dans la tragédie des siècles 134.1 nous est dit, l'Église romaine avait fait trafic de la grâce de Dieu. Les tables des changeurs s'étaient dressées auprès des autels. Et l'air retentissait des éclats de voix des vendeurs et des acheteurs. Sous prétexte de réunir des fonds en vue de l'érection de la basilique de Saint-Pierre à Rome, le pape avait ordonné la vente publique des indulgences. Avec le prix du crime et sous la pierre angulaire de l'iniquité, on érigeait un temple à Dieu. Mais l'expédient même dont Rome se servait allait asséner un coup mortel à sa puissance et à sa grandeur. Ce trafic allait susciter à la papauté son ennemi le plus résolu et le plus redoutable et déclencher une bataille qui allait ébranler le trône papal au point de faire chanceler la triple couronne sur la tête du souverain pontife. Si nous regardons sur Internet et dans des livres séculiers, qu'est-ce qui nous est dit On essaie de comprendre le contexte. Luther, il est né le 10 novembre 1843 en Allemagne et il est mort en 1546, dans la même ville en Allemagne. Il fut le fondateur de la réforme protestante, donc protestant luther dans les années 1483, avec ses 95 thèses, se liguant contre le catholicisme. Donc là, on voit, c'est une relation entre quoi Catholicisme et protestantisme. À la fin des temps, il nous est dit qu'il y a une relation entre catholicisme et protestantisme. Et si nous montons dans les années 1483-1646, nous voyons qu'il y avait déjà un problème ici. Donc, il va se liguer contre le catholicisme, et en particulier le pape, et de fait, changeant le cours de l'histoire religieuse de la civilisation occidentale. Il a conclut qu'il faut avoir une confiance totale en Jésus, qui les aime, et qu'il faut accepter son salut, son statut de pécheur, car il est impossible d'être parfait devant Dieu. Mais qu'il faut tout de même faire pénitence, c'est ce qu'il comprend. Mais en 1517, il entre en conflit avec la papauté, à cause du commerce des indulgences. Le pape Jules II, dans le but de financer la construction de la basilique Saint-Pierre, décrète qu'il est possible d'acheter les indulgences. Cela devient un commerce lutte. Ratif, un peu comme euh, au temple, de Jésus dans le temple. Continuons sous le pape Léon X et qui est soutenu par Albert de Brandebourg, l'archevêque électeur de Mayence. Martin Luther est en désaccord avec ce commerce parce que le pardon c'est quelque chose que Dieu donne, c'est une grâce de Dieu, on ne peut rien acheter. Trouvant que ça ne peut être pas, trouvant que ça ne peut pas résoudre les vrais problèmes et que cela va à l'encontre de la vraie piété. Ainsi, il rédige ses 95 thèses le 31 octobre 1717. Les placards sous les portes de l'église de la Toussaint de Wittenberg, quelque chose que nous connaissons assez et qui a, on a beaucoup écrit dessus. Toujours dans Wikipédia, si vous regardez l'histoire de Luther, sa biographie, vous allez voir, il reçoit une bulle pontificale le 15 juin 1920, où le pape Léon X lui ordonne de se rétracter. Mais en 1721, Luther la brûle en public, rompant ainsi avec l'Église catholique. Donc il y a une rupture entre protestantisme, il y a une rupture au sein même du catholicisme, parce que Luther, il est d'abord catholique. Donc il est radié de l'Église catholique et il va euh, couper les ponts avec l'Église catholique. Son procès débute un an plus tard et aboutit sous son... Une excommunication le 3 janvier 1721. Mais ça ne va pas s'arrêter ici, parce qu'après son excommunication, Martin Luther a une entrevue avec Charles Kent en avril 1721 devant la dette de Worms. Il refuse toujours de se soumettre, parce qu'on lui a demandé non. Il, 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 il n'accepte pas cette situation et est donc mis au banc de l'Empire, ce qui implique que tout le monde peut le mettre à mort. Mais Luther possède des appuis politiques tels que le Landgrave de Hesse, triple noble porté par des presses germaniques, et le presse-électeur de Saxe, Frédéric III le Sage. Ce dernier le met à l'abri dans le château de Wartburg. Du 4 mai 1621 au 6 mars 1622, Luther ayant comme pseudonyme Chevalier Georges, il y fait la traduction de la Bible, puis décide de repartir dans son cloître de Wittenberg. La réforme s'étend peu à peu aux principautés voisines. En avril 1729, pendant la diète de Spire, Charles Kent essaie d'atténuer le conflit et d'affirmer son pouvoir, mais Luther possède le soutien de six princes et 14 villes. Ces derniers menacent de solliciter un concile si Charles Kent se tourne de nouveau vers Lady de Roms qui interdit le luthéranisme et qui a mis au banc Martin Luther. Parce que si vous voulez, dans cette histoire, Luther va se dire, OK, ce n'est pas juste. Vous me dites que c'est moi le problème, alors que je considère que c'est l'Église catholique le problème. Donc, il veut revenir sur le fond du problème et il veut qu'on l'analyse. Et là maintenant, Luther va demander à ceux qui ont un concile. Il va dire il va falloir qu'on qu qu tire, qu'on comprenne vraiment euh, qui a raison dans cette affaire. Et c'est ce qu'on va appeler le concile de 30. Mais essayons de regarder le... comment ça va se passer. Nous sommes à la diapo 21. De nombreux chrétiens attendent un concile parce que c'est où il y a de grandes décisions qui sont prises, pour réformer en profondeur l'Église catholique. Parce que pour eux, c'est pas sûr, euh, ils sont, on n'est pas vraiment dans protestant d'un côté, catholique de l'autre côté, il euh, y, y a des réformes, et on voudrait bien que ces réformes soient faites euh, même au sein de l'Église. Luther lui-même réclame la réunion de concile. Clément VII Pape de 1623 à 1634 hésite car il a peur de voir ressurgir la théorie conciliaire, conciliaire qui affirme la supériorité des conciles sur le pape. Son successeur Paul III franchit le pas et avec l'accord de Charles Quint, qui pense que le concile pourra rétablir l'unité chrétienne, ordonne sa tenue. Donc vraiment. Euh, ce concile, c'est ce vraiment ce qu'on va noter le point euh, le point tournant. C'est lui qui va dire est-ce que c'est Luther qui a raison Est-ce que c'est l'Église catholique qui a, qui a raison Ou bien est-ce qu'il ne faut pas s'unir Et il pense que le concile pourra rétablir l'unité chrétienne. Et la première séance a lieu dans la cathédrale de Trente le 13 décembre 1545. Donc, notons ça. 1745, vous voyez, c'est un conflit qui a commencé depuis 1717, hein. mais jusque-là, euh, une décision claire n'a pas encore été donnée. Le légat qui ouvre la première session précise les débuts de la réunion exaltation de la foi et de la religion chrétienne, extirpation des hérésies. Paix et union de l'Église, reformation du clergé, extinction des ennemis du christianisme, tous les aspects de l'Église sont visés. En mars 1647, le concile est transféré à Bologne à la suite d'une épidémie, mais il ne parvient pas à tenir des séances dans cette nouvelle ville. Le pape met donc fin à cette première série de réunions qui a comporté jusqu'à 70 votants le 17 septembre 1749. Pourquoi je vous explique, pourquoi je vous mets tout ça en place Parce que nous voulons comprendre où le conflit protestant-catholique commence. Le Concile de Trente était un concile convoqué par le pape, on a dit Paul III, donc on va noter Paul III. par le pape Paul III, pour tenter de résoudre la crise dans laquelle l'Église catholique était plongée depuis la réforme protestante. Donc si on cherche à tenter de résoudre quelque chose, c'est parce que on n'a pas encore vraiment décidé que c'est noir ou c'était blanc. Entre 1743 et 1763, un total de 25 séances plénières ont eu lieu au cours desquelles tous les points de doctrine et de discipline ecclésiastique ont été discutés. Les questions étaient discutées par des commissions, supervisées par des légats pontificaux et conseillées par des spécialistes pour la plupart des jésuites nommés par les pontifs. C'est important de noter la présence des jésuites. Les résolutions issues de ces séances furent approuvées par le pape Picard, donc on n'est plus maintenant sous Paul III, les années sont passées, le 24 janvier. 1664. Ce conseil développé dans la ville de Trente, dans le nord de l'Italie, comportait trois étapes. Donc, ça va s'étendre de 1745 à 1749 avec des interruptions correspondant à la papauté de Paul III. Les questions de doctrine ou mises en question par les protestants ont été discutées. Cette étape est entravée par les conflits entre le pape et l'empereur de cet empire romain germanique, Charles Quint, qui tente d'imposer ses principes au concile pour empêcher la séparation des princes protestants allemands. Donc, on ne veut pas que cette séparation entre protestants et catholiques. La deuxième grande partie ce sera entre 51 et 52 et c'est son nouveau pape, c'est le pape Jules III. Ces réunions ont été suivies par des presses allemandes et des délégués du Luthéranisme. Face à l'impossibilité de parvenir à un accord, les tensions ressurgissent et le Conseil est à nouveau suspendu. Et il y a la troisième partie qui va se faire sous Picat. Fut en session entre 562 et 563. Au cours de cette étape, il est devenu clair que la séparation des territoires protestants était inévitable et les discussions se sont concentrées sur les réformes de l'Église catholique nécessaires pour renforcer la position et garder ses fidèles. Je veux prendre comme point de départ le Concile de Trente et comme point de départ. Celui qui a eu le courage de faire ce concile à la personne de Paul III. Nous savons que Luther va poser, va placarder ses 95 thèses sous Léon X. On l'a vu. C'était le 217e pape. Mais lui, il a refusé de faire un concile. Après, de 1522 à 1523, il y a eu euh, Adrien VI. Et lui aussi il refuse de faire un concile. De 1623 à 1634, il va y avoir Clément VIII, qui lui non plus ne va pas faire le concile. Il va falloir attendre 1634 avec Paul III, et c'est sous Paul III qui va régner, qui qui va être pape de 1634 à 1649, c'est à ce moment-là que le concile de Trente va être formé, et c'est surtout sous lui que Luther va également mourir. Et les amis, si nous regardons euh, Paul III, Paul III, c'est le 220e pape. D'une façon prophétique, nous savons que le nombre 220 correspond à la restauration et à beaucoup de choses. Nous n'allons pas rentrer dedans. Paul III est le 220e pape. Et aujourd'hui, le pape François, c'est le 266e pape. Si nous faisons ceci, nous allons voir, il y a 47 papes. Parce que si on fait, c'est vrai si on fait 266 moins 220, ça fait 46. Mais Paul III, il a également été pape. Aussi, je vous propose de regarder le tableau qui suit, et vous allez bien comprendre. Parce que ce n'est pas juste deux dates, comme si nous aurions fait une différence de deux années, parce que euh, le point zéro, le pape, il existe. Donc, si nous nommons... Le premier pape en l'an 200, c'est le 220e pape, mais c'est le premier pape. Nous sommes Paul III. Nous descendons le tableau, vous voyez, le 23e pape, c'est le 242e pape, c'est Innocent XII. Si on regarde le deuxième tableau, on a le 24e pape, non, on a le numéro 24 qui correspond à 243 et qui correspond à Clément XI. Et nous arrivons au 266, qui correspond au pape présent actuellement, François, et qui correspond au 47. Alors, je tiens à apporter quelques éclaircissements sur tout ceci. Nous avons compris que Paul III... Et celui qui va convoquer le concile. Et j'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu le courage, parce que je repensais aux deux autres papes précédents qui ne l'ont pas fait. Je ne suis pas en train de dire que je valide son action, parce que le courageux, c'est Luther, c'est celui qui ose brandir la parole de Dieu et de dire que. Les indulgences, Dieu ne demande pas cela, il a raison. Et que la vérité se trouve dans la parole et la parole seule de Dieu. Un deuxième point que je voudrais éclaircir, c'est que quand vous regardez ce tableau, j'ai parlé du nombre 220 et que ce nombre était symbolique. Mais je reconnais que la liste des 266 papes, elle est particulière. Parce qu'elle commence cette liste avec Pierre et rien ne nous dit dans la Bible que Pierre est un pape. Mais j'ai voulu garder ces numéros parce que c'est ce qui vous est proposé dans la vie séculière. Aujourd'hui, c'est la mort du 265e pape. Et c'est ce que vous allez trouver comme information. Donc, c'est vrai, on pourrait retirer cette colonne et mettre juste Paul III, premier pape, c'est lui qui invite ce concile, et les descendre, et nous arrivons à 47. Mais pour vous voir, vous retrouver, donc, je vous ai mis toutes ces informations. J'espère que cela pourrait être clair. Tout ceci, les amis, ce premier concile, on a vu, a été sous. Plusieurs papes. Si nous revenons dans le tableau, le premier concile va commencer avec Paul III. La première étape. La deuxième étape, c'est sur Jules III. Et la dernière étape, c'est sur Picat. Nous sommes à la diapo 24. Auquel il a fallu cinq papes. Pour entériner cette relation entre protestants et catholiques. C'est important de noter. Parce qu'après, nous allons voir le chiasme, pas aujourd'hui, pas dans cette étude, peut-être la prochaine étude, parce que cette étude, je ne crois pas que nous arriverons juste dans ce point sur les 47. Mais je vous invite vraiment à suivre la série régulièrement afin que vous puissiez voir. Et si nous regardons, il est paradoxal, étrange même, surprenant de voir que nous arrivons au 47, également avec les papes. Il n'y a pas d'antipape dans cette, ce tableau. Moi, je n'ai rien inventé. J'ai juste pris où ça a commencé et où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous allons essayer de regarder chaque pape, c'est-à-dire balise 1, balise 7, 40, 45, 46, 47. Nous n'allons pas regarder le point 42 aujourd'hui, qui est un point intéressant. Et nous allons essayer de regarder le maximum d'informations. Donc, ici, donc nous sommes au 1, d'accord Nous sommes sous pôle 3 et nous allons noter concile de 30. Je vais noter comme ça hein, pour avoir moins de place ce tableau. Conseil de 30. La diapo 26. Donc, euh, je reconnais qu'actuellement, quand nous arrivons dans notre histoire, aussi bien quand nous allons nous arrêter sous les papes, ou encore si nous arrêtons quand nous allons regarder les États-Unis, nous allons nous tourner sur les actualités, les amis, hein, parce que la Bible n'en parle pas. Donc nous allons être beaucoup tournés vers les actualités. Nous ne sommes pas des prophètes de journaux. Nous nous sommes basés sur une structure, et de cette structure, ça nous amène dans cette histoire, et nous regardons cette histoire de même que quand c'était une histoire de la Bible, on regardait sur la Bible, mais quand ça a été l'histoire de Battle Creek, on a regardé dans les écrits des pionniers à l'époque de Battle Creek. Alexandre Farnese, né le 29 février 1468. À Canino devient le 220e pape de l'Église catholique le 13 octobre 1734, sous le nom de Paul III, et règne jusqu'à sa mort le 10 novembre 1749. Et nous allons noter des points importants. Avec son soutien, est créée la Compagnie des Jésuites. Donc ça, c'est la création des Jésuites. Donc, avec son soutien est créée la compagnie des Jésuites, dont l'un des membres est son représentant au Concile de Trente, dit aussi Concile de la Contre-Réforme catholique, qu'il convoqua. Il réorganisa l'Inquisition, mettant en place l'Inquisition romaine et autorisant la création de l'Inquisition portugaise. Donc, il va mettre en place plusieurs Inquisitions. On lui il doit également la condamnation officielle par l'Église catholique de l'esclavage des Indiens ou de tout autre peuple qui, dev... qui viendrait à être découvert en 1537. Donc, c'est un texte que nous avons dans Wikipédia. Peu après son élévation, le 2 juin 1636, Paul III convoqua un concile écuménique à Mantoue pour le mois de mai suivant. Mais l'opposition des princes protestants et le refus du duc de Mantoue d'assumer la responsabilité du métier de l'ordre contrecarrèrent le projet. Il publia une nouvelle bulle convoquant un concile à Vicence pour le 1er mai 1538. L'obstacle majeur y fut le regain d'hostilité entre Charles Quint, Charles Quint et François Ier. Le vieux pontife, parvint à les convaincre de tenir avec lui une conférence à Nice et de conclure une trêve de dix ans. Comme gage de bonne volonté, une petite fille de Paul fut mariée à un prince français. Et l'empereur donna sa fille Marguerite à Octave, le fils de Pierre-Louis, fondateur de la dynastie farnèse de Parme. Diapo 28, donc le Concile de Trente, donc je vais noter ici, bien 30, j'ai mis comme ça, mais je vais noter ici Trente. Parce que c'était la ville. Hein? Le Concile de Trente est un concile convoqué par le pape Paul III, que nous avons déjà vu, entre 1545 et 1563, en réponse à la réforme protestante son but initial était de condamner et de réfuter les idées des théologiens Martin Luther notamment et Jean Calvin qui avaient gagné du terrain en Europe. Donc tout ceci c'est un texte euh, qui vient de du journal mural.com que les références seront données en plus. En outre ce concile a cherché à réaffirmer les croyances catholiques traditionnelles et à esquisser les fondements de la Contre-Réforme. C'est pourquoi il est considéré comme un, le mouvement le plus important de l'Église catholique de la Contre-Réforme. Par ses délibérations et ses documents, ils ont voulu dissiper les doutes et rendre les mystères de la foi plus clairs pour les catholiques. On continue les hésitations pour sa convocation de la part des papes Léon X et Clément VII n'ont pas empêché la convocation du concile de Trente. Ces causes étaient les suivantes l'empereur Charles Quint et le pape Clément VII se sont rencontrés en 1530 à Boulogne. Le pape a accepté de convoquer un concile. Si nécessaire pour débattre des questions de Luther sous les dogmes catholiques. La condition du pape était que les protestants obéissent à nouveau à l'Église catholique. Le pape Paul III, qui succéda à Clément VII, était convaincu que ce n'est que par un concile qu'il était possible de réaliser l'unité du christianisme ainsi que la réalisation d'une réforme efficace de l'Église. Après plusieurs tentatives frustrées, il put enfin le convoquer à 30 ans, donc dans le nord de l'Italie, le 13 décembre 1545. Il n'a pas été possible de continuer à retarder la convocation du Conseil en raison de, de l'avancée rapide des idées du protestantisme en Europe. Pour cela, il était urgent de condamner les principes et doctrines protestants et de clarifier les doctrines de l'Église catholique. L'image de l'Église a été ternie par la corruption évidente existant dans son administration. Certains prédécesseurs du pape Paul III ont plongé l'Église dans divers scandales, problèmes financiers et même assassinats, notamment dans les papautés de Benoît IX. Ubain 6, Alexandre 6 et Léon 10. Nous avons déjà beaucoup parlé de, du pape Paul III et du Concile de Trente. Et vous avez beaucoup de documents sur Internet et d'autres livres par rapport à ce sujet. Je voulais qu'on regarde un texte que Malachi Martin, Malachi Martin va laisser. Nous sommes à la diapo 33. Toujours sous la balise 1, toujours à propos du, Paul, du pape Paul III. Père Saint implora-t-il avec des paroles qui ont été paraphrasées par le fameux auteur catholique Malachi Martin La papauté et l'Église catholique romaine sont dans un danger mortel. Il est nécessaire de disposer d'une arme moderne pour combattre cette guerre totalement nouvelle. Donnez-nous un ordre nouveau, tel qu'il n'y a jamais eu de pareil. Rendez-nous indépendants de toute autorité locale et directement responsables envers sa sainteté. Nous y allons n'importe où, n'importe quand, et au prix de notre vie et de notre confort pour faire n'importe quoi. Ainsi nous est présenté les amis de Jésus, les Jésuites. Ellen White, Va nous parler, nous sommes à la tragédie des siècles 249.1, la diapo 34. Dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des jésuites. Le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel, Affranchis de toute obligation et de tout intérêt humain, morts au droit de l'affection naturelle, sourds à la voix de leur raison et de leur conscience, les Jésuites ne connaissaient d'autres liens et d'autres règles que ceux de leur ordre, ni d'autre devoirs que celui de l'accroître la puissance. L'Évangile de Jésus-Christ donnait à ceux qu'il acceptait la force d'affronter le danger de supporter sans découragement la souffrance, le froid, la faim, la fatigue et la pauvreté. Il les rendait capables de prêcher la vérité sans craindre ni la roue, ni la prison, ni le bûcher. Pour les combattre, le jésuitisme inspira à ses disciples un fanatisme qui leur permettait d'affronter les mêmes dangers et d'opposer à la vérité toutes les armes de l'erreur. Pour arriver à leur fin, il n'y avait pour eux ni crime trop odieux, ni duplicité trop basse, ni stratagème trop audacieux. Ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité perpétuelle, ils ne cherchaient la fortune et le pouvoir que pour les faire servir à la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. Continuons. En fonction de leur ordre, ils revêtaient une apparence de sainteté, visitaient les prisons et les hôpitaux, secouraient les malades et les pauvres, professaient avoir renoncé au monde et se réclamaient du nom de ce Jésus qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Mais cet extérieur irréprochable cachait souvent les décès les plus noirs et les plus odieux. L'un des principes fondamentaux de cet ordre était que, la faim justifie les moyens. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais méritoires quand ils servaient les intérêts de l'Église. Sous les déguisements divers, les jésuites S'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. Ils se faisaient serviteurs pour espionner leurs maîtres. Ils fondaient des collèges pour les fils des princes et des nobles et pour le peuple des écoles où ils attiraient les enfants de parents protestants, qu'ils accoutumaient à observer les rites de l'Église. Toute la des cérémonies romaines étaient mises à réquisition pour éblouir et captiver les imaginations. Et il arrivait ainsi que les fils trahissaient la foi pour laquelle leur père avait souffert. L'ordre des Jésuites se répandit rapidement dans toutes les parties de l'Europe. Partout on assistait à une recrudescence du papisme pour agiter à la puissance des jésuites une bulle papale rétablit l'inquisition malgré l'horreur qu'il inspirait même dans les pays catholiques ce terrible tribunal fonctionna de nouveau sous la direction des émissaires de rome et les atrocités trop odieuses pour être décrites furent répétées dans ces cachots dans plusieurs pays des milliers et des milliers d'hommes la fleur de la nation, pure parmi les purs, gentilhomme et lettré, pieux pasteur et philanthropes, citoyens industrie, industrieux et loyaux patriotes, savants éminents, artistes distingués et habiles artisans, furent mis à mort ou contraints de s'enfuir à l'étranger. Tels étaient les moyens auxquels Rome recourait pour éteindre la lumière de la réforme, pour enlever aux hommes la parole de Dieu et pour rétablir le règne de l'ignorance et les superstitions du Moyen-Âge. Mais grâce aux successeurs de Luther, suscités par Dieu, le protestantisme ne fut pas anéanti. Ce n'est point à la faveur ni aux armes des princes qu'il dut sa force. Les plus petits pays, les nations les plus humbles devinrent ses forteresses et ses défenseurs. La froide et stérile Suède, la modeste Genève, au milieu d'ennemis redoutables qui conspiraient sa ruine, la Hollande sablonneuse gémissait sous la tyrannie de l'Espagne, alors le plus puissant et le plus opulent royaume de l'Europe. les White continue à nous disant Jésuite, ordre fondé en 1634 par Ignace de Loyola et approuvé en 1740 par Paul III, il porte aussi le nom de Compagnie ou Société de Jésus. S'il eut dès l'abord plusieurs objets en vue, les circonstances l'amenèrent presque aussitôt après sa fondation, a entré en lice avec la réforme et se jeta dans la mêlée avec une hardiesse qui ne reculait devant rien et avec un succès qui dépassa même ses espérances. Les statuts sont calculés pour faire de chacun l'instrument absolument passif de ses supérieurs. La théorie de l'obéissance passive empêchant le développement de la conscience individuelle a été avec... Le pélagianisme, qui est à la base de tout le système, la grande inspiratrice de la morale jésuitique. Dans les préceptes, les uns sévères à l'usage des personnes qui prennent la religion au sérieux, les autres d'une indulgence effrayante pour tous les vices, pour tous les crimes commis ou à commettre. La morale des Jésuites se caractérise encore par la direction de l'intention. On peut voler, calomnier, tuer, pourvu qu'en le faisant, on éloigne l'intention coupable et qu'on se tienne à l'intention permise. Par exemple, au désir d'être riche pour pouvoir faire du bien, au désir de sauver son honneur et peut-être sa, sa vie. Enfin, les réservations mentales, autre système ingénieux inventé par les jésuites, consistent dans le droit d'affirmer une chose fausse, même pas serment, pourvu que dans son fond intérieur, on en pense une autre qui affirme ou modifie celle que l'on paraît affirmer. Les provinciales de Pascal Flagelair cette tupertudes et portèrent aux Jésuites un coup fatal et décisif, dont ils ne se sont jamais relevés moralement. De leur côté, les Capucins et les Franciscains, jaloux de leur succès dans les missions lointaines, dénoncèrent leur méthode d'accommodation et de supercherie dont ils usaient pour faciliter la conversion des païens au christianisme. Mais ce qui acheva de les perdre, ce fut leur conduite politique. La Compagnie de Jésus, en latin Societas Cresus, est une congrégation catholique masculine dont les membres sont des clercs réguliers appelés jésuites. La Compagnie est fondée par Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Pierre Fabre et ses premiers compagnons en 1539. Donc les dates varient. Et approuvées en 1540 par le pape Paul III. Dissoute en 1773. Donc je vais noter que les Jésuites c'était de 1539 à 1700 soixante Elle est rétablie en 1814 par le pape pi VII. Donc je vais remettre, je vais mettre après. Euh, euh, attendez, comment je vais faire ça? Puis, 1814. En 2014, ça a fait 200 ans. Et rétabli en 1814 par le pape Pie VII. Au début du 21e siècle, les jésuites revendiquaient près de 17 000 membres, ce qui constitue la congrégation masculine la plus importante au sein de l'Église catholique aujourd'hui. Où elle naît devancée? que par l'ensemble des branches franciscaines. Son supérieur général est Arturo Souza. Alors, un autre texte par rapport aux Jésuites. Comme les autres religieux, les Jésuites professent les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance qu'on a déjà vus, mais ils prononcent également un quatrième vœu qui leur est propre celui de l'obéissance spéciale au pape en ce qui concerne les missions. Donc, c'est ce le pape qui donne aux Jésuites leur mission et ils sont obéissants, ils apportent une obéissance spéciale à ceci. Ils obéissent à des constitutions définies par Ignace de Loyola et approuvées par la première congrégation générale. Suivant lesquels ils n'adoptent aucun habit religieux particulier, mais suivent en ce domaine ce qu'en font les prêtres séculiers et ils ne recherchent pas les honneurs. Leur histoire compte peu d'évêques et de cardinaux. Wikipédia nous dit que le pape François, élu en mars 2013, est jésuite depuis 1956 et que c'est le premier pape issu de l'ordre religieux. Nous aurons l'occasion de revenir quand nous ferons la balise 47. Alors dans ce, euh, dans ce tableau, j'ai voulu juste résumer quelques points, mais il y en a beaucoup, beaucoup à dire. Donc vous pouvez en ajouter d'autres, euh, mais peut-être les principaux points. 220e pape de la liste, et c'est lui qui crée l'ordre des Jésuites, on l'a déjà mis. C'est lui qui organise le Concile de Trente, c'est lui qui réorganise l'Inquisition. Donc, euh, nous savons, c'est la juridiction religieuse, un tribunal a fait le combat de Pérésie, hein. Il va mettre en place l'Inquisition romaine pour persécuter le protestantisme. On a mis l'Inquisition aussi. Il va autoriser la création de d'autres Inquisitions. Paul III, à peine âgé de 25 ans, il va être élevé au rang des, de, de cardinal diacre. Le peuple de, le peuple de Rome se réjouit de l'élection à la tiare du premier citoyen pour leur ville depuis Martin V. Les atrocités commises par, sous la place Maubert à Paris finiront par émouvoir le pape Paul III. C'est lui qui va convoquer un concile écuménique D'accord Il va réformer la cour apostolique, la, pénit la pénitencerie apostolique. Il va également renforcer le prestige de la papauté. en faisant lui-même ce que ses prédécesseurs confiaient à un conseil. Il va relancer énergiquement le projet de tenue de conseil, un concile écuménique. Et il va ajourner le concile pour une durée indéterminée. Il va avoir une fièvre viol violente et le 10 avril 1749, à l'âge de 81 ans, il va mourir. On va passer à la balise 7. Et si vous regardez dans le tableau, donc euh, nous revenons à notre, notre tableau que nous avons pris pour base. Et dans notre tableau, nous sommes à la diapo 24. Nous allons à Grégoire 13. Donc, Grégoire 13. Je vais juste mettre ainsi. Grégoire 13. Nous allons prendre un feu. Qui était ce pape et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de son histoire? Wikipédia nous dit que Grégoire XIII est le 226e pape de l'église catholique, élu le 13 mai 1772 et décédé à Rome le 10 avril 1785. Il est d'abord un juriste ecclésiastique ayant mené sa carrière dans la curie romaine. Évêque en 1538, il devient proche collaborateur du pape Pissin, qui apprécie son esprit méthodique, à la fois prudent et précis, et qui le crée cardinal. Et le pape, le cardinal Hugo Compagnie succède à piscin et opte pour le nom pontifical de Grégoire XIII. Alors on va mettre ses dates, 1672-1585. Où oui, il est pape, hein? Donc 1572-1585. Donc je vais mettre entre parenthèses pape, qu'on ne puisse pas penser que ce sont ses dates de naissance et de mort. Il nous est dit, diapo 45, il se distingue aussi par ses nombreuses fondations de séminaires, estimant que la formation de clergé de qualité est la meilleure arme contre l'expansion du protestantisme. Donc lui aussi, il est dans cette même vision. Donc lui, il va faire beaucoup de séminaires pour arrêter le protestantisme. Il fonde ainsi le collège allemand, le collège grec, le collège marmonite ou encore le collège des néophytes réservé aux juifs et aux musulmans nouvellement convertis. Donc il est beaucoup dans la formation. Il envoya une mission jésuite dans l'Empire ottoman. Donc il va demander aux jésuites d'être en action et chez les ottomans. En 1583. Et eux, ils vont fonder le lycée Saint-Benoît, institution phare de l'enseignement catholique au Levant. Ils donnent un bâtiment au collège romain, tenu par les jésuites, qui en témoignent de la gratitude, le, reno, le renommé Université grégorienne. Par lettres aposto, apostoliques, il confirme à nouveau la compagnie de Jésus, de Jésus, donc la compagnie des Jésuites. Donc il va confirmer les Jésuites. Donc ici nous voyons création des Jésuites, confirmation des Jésuites, et ici 47, premier pape Jésuite. Donc, il nous a dit qu'il confirme à nouveau la, à nouveau la compagnie des, de Jésus, les Jésuites, et les constitutions comme ordre religieux. Donc, ici, la compagnie, il confirme comme ordre, donc ça devient ordre religieux. Or, ordre religieux. Et l'Enouette va nous dire, mais le plus noir des forfaits, le plus atroce des crimes enregistrés par l'histoire, fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc comment le mettre là Massacre de la Saint-Barthélemy. Le monde frémit encore d'horreur au souvenir de ce lâche et cruel attentat. Sous la pression des dignitaires de l'Église, ce crime fut autorisé par le roi de France. Une cloche de l'Église de Saint-Germain, l'Ausseroy, retentissait dans le silence de la nuit, donna le signal de la tuerie. Des milliers de protestants qui, comptant sous la parole d'honneur de leur roi, reposaient tranquillement dans leur lit, furent assaillis dans leur demeure et massacrés. Ici, qu'est-ce que nous voyons à cette balise 7 Union, alors on va mettre ici, Union, Église, État. Et cela va provoquer quoi l'Union, Église, État le massacre des protestants. Pourquoi nous le plaçons là De même que le Christ avait été le conducteur invisible de son peuple lorsqu'il l'arracha à l'esclavage de l'Égypte, de même Satan fut le chef invisible de ses sujets dans cet horrible égorgement qui se poursuivit dans Paris sept jours durant. Les trois premiers avec une indicible fureur. Mais cette œuvre de mort ne se borna pas à la capitale. Par ordre du roi, elle s'étendit à toutes les provinces et à toutes les villes où vivaient les protestants. On n'eut égard ni à l'âge ni au sexe. On n'épargna ni enfant à la mamelle, ni le vieillard aux cheveux blancs. Nobles et paysans, jeunes et vieux, mères et enfants, tous étaient également immolés. Le massacre dura deux mois entiers dans toutes les parties de la France. 70 000 âmes environ, la fleur de la nation périr. Donc ici, France, et on va mettre 70 000 morts. Quand la nouvelle de ce crime parvient à Rome, la joie du clergé ne connut pas de borne. Le cardinal de Lorraine récompensa le messager d'un don de mille couronnes. Le canon de Saint-Ange se fit entendre en, en signe de joyeux salut. Les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée. Les feux de joie transformèrent la nuit en jour. En jour. Et Grégoire XIII, dont le pape dont il est question ici, accompagnait les cardinaux. Et d'autres dignitaires ecclésiastiques se rendirent en possession à l'église de Saint-Louis, où le cardinal de Lorraine chanta le Te Deum. Une médaille fut frappée pour commémorer l'événement. Le pape Grégoire envoya la rose d'or à Charles IX et quatre mois après, il écoutait complaisamment le sermon d'un prêtre français. Célébrant ce jour de joie et d'allégresse, où le Saint-Père reçut l'heureuse nouvelle et alla solennellement en rendre grâce à Dieu et à Saint-Louis. Vous vous rendez compte, mes amis? On peut encore voir au Vatican les trois fresques de Vasari représentant le meurtre de Coligny, le roi décidant le massacre en conseil et le massacre lui-même. Nous lisons ceci dans la tragédie des siècles. Et les nouettes continuent en disant L'esprit infernal qui poussa à la Saint-Barthélemy présida aussi aux scènes de la Révolution. Jésus-Christ y fut déclaré un imposteur, et le cri de ralliement des incrédules qui le désignaient était écrasant les familles. Le blasphème et la luxure marchaient de pair. Des hommes abjects, des monstres de cruauté et de vice, était comblé d'honneur, hommage suprême rendu à Satan, tandis que Jésus-Christ, la personnification de la vérité, de la pureté, de l'amour des intéressés, était crucifié à nouveau. Mes amis, n'oublions pas que nous sommes sur la ligne de la papauté. C'est la controverse de la ligne de Christ. Au moment où Christ est élevé, ici qui est élevé, c'est l'ennemi lui-même qui est élevé. Au moment où le peuple de Dieu est massacré, c'est Satan qui est glorifié. Si nous allons sur Wikipédia et prenons quelques textes, qu'est-ce qui nous est dit La paix de Saint-Germain-en-Laye, de Saint-Germain-en-Laye, met fin à trois années de terribles guerres civiles entre catholiques et protestants. Le protestantisme ici, le catholicisme, ce conflit entre les deux, cette paix est précaire quand les catholiques les plus intransigeants ne l'acceptent pas. Le retour des protestants à la cour de France les choque. Mais la reine-mère Catherine de Médicis et son fils, le roi Charles IX, sont décidés à ne pas laisser la guerre reprendre. Conscients des difficultés financières du royaume, ils défendent la paix et laissent Gaspard de Coligny, le chef des protestants revenir dans le Conseil royal. Pour concrétiser la paix entre les deux parties religieux Catherine de Médicis projette de marier sa fille Marguerite de Valois avec le prince protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Le mariage princier initialement prévu pour le mois de mai 1672 est repoussé le 18 août 1572, à la suite du décès de Jeanne d'Albret mère d'Henri de Navarre. Il n'est accepté ni par les intransigeants des deux parties, ni par le pape qui demande la conversion du fiancé. Refusant ainsi d'envoyer la dispense de consanguinité, celui-ci et le roi d'Espagne, Philippe II, condamnent vigoureusement le projet politique de la reine mère, Catherine de Médicis. Ici, dans ce tableau, nous avons juste résumé, mais des points sous Grégoire XIII, mais il y en aura d'autres. Alors, après les études de droit canonique et civil à l'université de Bologne, il entra à la curie romaine en 1739, Paul III lui donne des postes d'abréviateur de la chancellerie apostolique et le réfendaire du tribunal suprême de la signature apostolique. En 1745, il participe comme juriste au Concile de Trente. Donc, on voit Grégoire XIII, il est au Concile de Trente. En 1758, il est nommé évêque et doit être ordonné prêtre auparavant. En 1768, il est nommé secrétaire des brais pontificaux. En, en 1772, il est élu pape à la mort de Pie V. Le conclave qui L'Élie est bref, il ne dure qu'une journée. Mais il est important de noter qu'il eut un fils, Giacomo Boncompagni, avec sa maîtresse de campri Maddalena Fulcina. Il se trouvait dans cette ville pour participer au Concile de Trente. Vous savez qu'il était au Concile de Trente dans les années 1745. Donc il va être euh, légitimé en 1548. Donc euh, on va mettre 1545. Euh, non, c'est peut-être pas si important. Je ne vais pas noter cette partie. Donc il va être légitimé en 1545, en 1548 et confié aux jésuites pour faire son éducation. Ça c'est important. Donc on voit que lui-même il va vouloir faire des séminaires. Il va utiliser les jésuites. Il va leur donner des ordres pour aller à l'Empire ottoman. Parce que lui-même, il va être formé par les jésuites. Donc formé par les jésuites. Suite à cet enfant qu'il va avoir. Entre 1545 et 1547, on va, il va être formé chez les jésuites pour parfaire son éducation. Donc Grégoire XIII va avoir plusieurs tâches. Notamment, une tâche principale, c'est la mise en application des décrets de Concile XIII. D'accord? Donc, Grégoire XIII va mettre en application les Conciles, les résultats du Concile de Trente. Il poursuit la contre-réforme en nommant des comités des cardinaux chargés. Grégoire XIII a été chargé par le Concile de Trente à rectifier le calendrier. Nous savons très bien que nous sommes sur le calendrier, le calendrier grégorien qui date de ce pape-là, Grégoire XIII. Et c'est lui qui va rectifier le calendrier. Et c'était l'ordre du Concile de Trente, par la bulle inter gravissima en 1582. Donc là, je vais mettre, je vais l'informer parce que ça c'est important. Je vais mettre le calendrier. Vous vous souvenez quand on a fait euh, l'étude des millérites, on, on on s'est trouvé confronté à ce calendrier. Ce calendrier et que les huit devaient avoir vraiment l'esprit de Dieu dans un sujet de prière pour qu'ils puissent comprendre l'erreur et, euh, et comment passer, euh, comment jongler entre ces deux, ces deux calendriers que le pape Grégoire avait mis en place. Et qu'est-ce qu'il avait fait Il avait modifié pour l'avenir parce qu'il voulait rattraper les 10 jours de retard. Pris par rapport au soleil et modifier pour l'avenir les modalités des années bissextiles Et vous savez par qui il va se faire aider Par un mathématicien jésuite. Il applique également la décision du Concile de créer des séminaires. Donc quand on a dit qu'il a fait des séminaires, il a confirmé les jésuites, c'est juste. Euh, il, il, fait, il fait juste ce que le Concile avait déjà mis en place et lui demande de maintenant de le mettre en exécution. Il va fonder plusieurs séminaires, estimant que la formation de clergés de qualité est la meilleure arme contre l'expansion du protestantisme. Il fonde ainsi le Collège allemand, le Collège grec, le Collège maronite ou encore le Collège des néophytes. Par la lettre apostolique Quanto Fuctucians il, il confirme à nouveau la compagnie des jésuites comme ordre religieux, on l'a déjà noté. Il va faire graver une médaille après le massacre de la Saint-Barthélemy. Il va autoriser les inquisiteurs à procéder librement contre certains cas d'hérésie. Il va condamner plusieurs pratiques des juifs et interdit de nouveau le Talmud. Alors, je vais mettre ça aussi parce qu'on avait vu la persécution des protestants, mais également des juifs. Alors, on va noter persécution. protestants et des juifs également. Donc, il va condamner plusieurs pratiques des juifs et interdit de nouveau le, ta, le Talmud par le mouton proprio antiqua Et il va même euh, interdire aux médecins juifs et infidèles de guérir les chrétiens. Je propose euh, qu'on s'arrête ici. Et dans notre prochaine étude, nous allons regarder la balise 40, qui est très riche. La balise 45 également. La 46 et la 47. Ce sont des histoires que vous connaissez, que nous connaissons, que nous avons vues à l'école. Des choses qui se passent devant nous, notre histoire. Mais au combien subtil, et parfois nous ne voyons pas les liens. Demandons à Dieu de continuer à nous ouvrir les yeux, à nous éclairer, afin que nous puissions comprendre le temps de notre visitation. prions. seigneur nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. tu es un dieu bon et en tout temps tu es bon. tu es patient envers nous et tu ne cesses de nous interpeller. alors que l'ennemi agit toi tu guéris pour nous, seigneur. les anges guéris pour nous. Tu ne, tu ne cesses de nous inviter à l'étude, l'étude, l'étude. Puisse-nous en prendre conscience. Et nous laisser transformer par toi. Béni sois-tu. Garde chaque personne qui étudie, ainsi que ce groupe, Seigneur. Tu sais à quel point nous sommes attaqués. Reste avec nous, Seigneur, s'il te plaît, Jésus. En ton Seigneur, -nous, nous avons prié. Amen.